Monaco? Ah bah attends, je perds le Strix et puis on tente Monaco. Ouais. Genre là on va ici. Ah ouais, ben alors là vraiment on est bien. Alors on est très bien. Bon, on va faire sans bouger. On va faire sans bouger, hein, ce sera plus simple. Parce que là on a chopé un mec qui est parti en rando, je ne sais où. Le Groenland? L'Islande? Je dirais l'Islande. Et non, c'était le Groenland. Voilà, bravo. Bravo. Tac. Tout start page. Monaco, donc on a dit. Monaco. Monaco, je ne connais pas du tout. Very easy, apparemment. Ah bah ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal ça. Ok. Bah je suis là. Voilà. Incroyable, hein. Sous Monaco exactement d'ailleurs. Ici. Bah, je crois qu'on est à peu près là, hein. Je crois que ce qu'on voit là, ça doit être ce truc-là. Et voilà, c'est pas mal, hein. Ah mais c'est fou ça. Non mais... Bah je pense, hein, je pense qu'on est à peu près là. Et je peux avancer? Je peux aller voir ce qu'il y a sur la côte? Hey, il y a une belle implantation capillaire. En fait, à Monaco, ils sont tellement riches que du coup, ils font pas de la nage avec des dauphins, ils font de la nage avec des gens. Voilà. Là, tu montes sur le dos de quelqu'un qui nage. C'est un peu comme du jet ski, mais c'est moins rapide. Bah ouais, what the fuck? Bah je sais pas. Non, il est peut-être sur un jet ski. Il est peut-être pas à la nage. Peut-être flou parce qu'il y a peut-être un jet ski en dessous de lui. J'ose espérer. Vu les remous et tout, je pense ouais, il y a un jet ski en dessous. Mais on le voit pas. Ils ont flouté tout sauf sa tête. Ça c'est pas mal ça aussi, hein. Ils ont flouté tout sauf sa tête. Par contre du coup, je vais pas là où je veux quoi. Oh, attends, on a vu des lunettes. On a vu des lunettes. Eh ben, oula, les alertes sont fortes. Au secours! Hi, Glitter YTP. Bonsoir. Merci pour le follow, merci beaucoup. Ouf, l'alerte était forte. Ouf. Bonsoir. Bonjour. Pour ce stream, bienvenue. Bienvenue sur ce stream matinal sur GeoGuessr. Bien sûr, je vais baisser le son de mon ordi. Est-ce que... Bah non pas que j'ai peur d'une vague de follow. Glider YTP left. D'accord. If you want. If you want. I can make a stream in English.
The past has proven that I can make a stream in English. Thank you for the follow. And hope you enjoy the view of Monaco. Allez, let's go. Oh, pas mal, hein, 96 mètres. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Pas mal du tout. What is... Attends. On va cliquer sur Bitter YTP, là, parce que... Pourquoi il met machin left? Pourquoi il dit qu'il part? Bon, ça, c'est un bot, ça. Ça, c'est un bot, hein. C'est un compte qui a été créé... Il y a... 3 jours. Est-ce que c'est un bot? Attends. Est-ce que c'est un bot? Je sais pas. En tout cas, il a 2 followers. Il a une photo de Bowser Jr. Ouais. Glider YTP, si t'es encore là, es-tu un bot? Es-tu un bot? Ou es-tu quelqu'un de vrai dans la vraie vie? Très bien. Ouais. Ouais, ouais. Bah écoute, merci pour le follow en tout cas. Bah, j'espère que t'es pas un bot, du coup, parce que... Du coup, c'est un follow dans le vent. Mais... C'est bizarre. Pourquoi t'as écrit ton pseudo, puis left? Moi, ça me trigger. Ça me trigger. Mais c'est pas grave. On t'aime quand même. N'hésite pas. Hein. N'hésite pas à interagir. Merci Twinkie Streams pour le follow. Oh oh. Merde. Attends. Je me prends une vague de bots là. Je me prends une... Ah putain, tu m'as fait peur. Oh non, mais il faut pas. Hein. Il faut pas. Hein. Faut arrêter. Ah non, tu m'as fait peur. Hein. Non, vraiment, là. Oh merde. Ah bah, merci. Merci beaucoup. C'est bien aimable de la chaîne. Bien sûr. Ah là là. Incroyable. J'espère que tu apprécies voir des gens se moucher toutes les 10 minutes. Parce que là, c'est actuellement mon cas. Et d'avoir des frayeurs comme ça, là. Non, parce que je sais qu'il y en a qui prennent des vagues de bots, des fois. Et j'ai eu peur que ce soit ça, que je vive ma première vague de bots. Bien joué, en tout cas, tu m'as eu. Voilà, tu m'as eu. Bravo. Tu es très fort. Bravo, bravo. Du coup, j'ai un point à trouver, moi. Ouais. Bravo. Merci. Merci pour le follow. Merci pour la blague. Très drôle. Très drôle. Tu m'as bien vu. 1910. C'est quoi ce bâtiment? C'est l'hôtel de ville? Je ne connais pas Monaco. Quelle est cette... Ça doit être un bâtiment administratif. Ouais. I guess. Oh bah la Stream Elements. C'est le musée océanographique. Ah. D'accord. Donc on est en face du musée océanographique. Let's go, bravo. Bravo. Bienvenue. Putain, j'ai des bots dans mon chat. Bah, c'est vraiment incroyable ça. Stream Elements, c'est qui ça encore? Ils postent des liens en plus. Oh là là. Qu'est-ce que c'est, hein? Oh. Ah bah, et. Bah alors.
C'est quoi ça? On est où là? Il spam en plus, hein. C'est vraiment. On marche sur les yeux. Vraiment. Super quoi. Bah je vais le ban, hein. Je pense, hein. C'est bien parce que je dis que je vais faire ça. Puis je lance le point. Voilà, je vais le ban, hein. Ah, je peux pas le ban. C'est con. Putain, c'est un super bot. Il est modo, il est vérifié. Il a Prime Gaming. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais je peux pas le ban. Je peux pas le ban. C'est con, hein. C'est con. Il fait sa pub là. N'importe quoi. Bon, bref. Au lieu de raconter des bêtises, là on est dans le port. Voilà. Là on est dans le port. Le Monaco, c'est sympa, n'empêche. Ah, mais c'est le même mec que tout à l'heure. C'est lui. C'est le mec aux lunettes et avec les cheveux comme ça là. C'est lui. C'est notre copain. C'est notre copain. Bah, il a fait Monaco à par la mer. Il a street viewé. Il a street viewé les bateaux. Il est de retour. Il est de retour. Bah, on doit être quelque part dans les ports là, ici. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Parce que du coup, là, pour avoir des. Est-ce qu'à un moment, il sort de l'eau? Non? Putain, il fait demi-tour, le con. Il fait demi-tour. Oh, merveilleux. Hein. Oh, il va dans toutes les directions. Oh, il passe entre les bateaux complètement. Ah bah ouais, lui, il était chargé de faire les côtes de Monaco, ouais. Il y a tellement peu de place. Il y a tellement peu de place dans les rues de Monaco qu'ils se sont dit, bon, on va pas street viewer les rues, on va faire par la mer. Ah bah il est peut-être parti de là, attends. Est-ce qu'il y a un moment je peux rattraper le rivage quand même? Non, pas du tout. Super détaxé. Ça c'est le nouveau carburant. Suite à la crise, c'est le super détaxé. Ça c'est. C'est fou, hein. Bah on doit être là, hein. C'est ça le super détaxé là. C'est ça, hein. Donc on est au début on était à peu près. Par là, je pense. Est-ce qu'on voit un bâtiment remarquable? Il est tombé dans l'eau sans faire exprès. Ouais, bah ouais. Ouais, je pense. Je pense qu'il a fait un plouf. Et puis là, depuis le début, il cherche à nager jusqu'au rivage, sauf que tout est bétonné. Donc il n'y a pas de plage, donc il n'arrive pas à sortir. Il n'arrive pas à sortir de l'eau. Et voilà. C'est terrible, hein. C'est terrible. Être payé pour me promener à jet ski, je dis pas non. Ouais, pareil, hein. Pareil, là tu te balades entre les bateaux, c'est ton taf. Ça va. Et imagine, il y a des gens, ils sont payés pour ça. Imagine, il y a des gens, ils sont payés pour faire des streams. Truc de fou, hein. Imagine. Bah, par contre, vivre à Monaco, je sais pas. Je pense pas que c'est pas du tout mon style de vie, par contre. À vrai dire. Par contre, faire les côtes françaises en jet ski pour les street viewer, pour le bien commun. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et faire une petite halte par Monaco pour découvrir, hein. Mais lui, il habite là, lui. Lui, il habite là. Ça se voit aux lunettes de soleil. Lui, il habite là. Bon, bah ouais, bah je pense qu'on est là à peu près. Hein. En face du P Crazy Pizza Monte Carlo, il y a des pizzerias à Monte Carlo. Il y a des pizzas à Monaco. Vraiment. Ouais, bah c'était à peu près ça. C'était à peu près ça. Nickel, merveilleux. Let's go. Ah mais les points à Monaco, c'était pas une mauvaise idée. Hein. Les points à Monaco, c'était pas une mauvaise idée. On découvre des choses. Des grues. Je crois que les grues, c'est un classique de Monaco.
Je crois que ça fait partie du paysage. Hop. Il nous restera un point après. J'espère qu'on retrouve notre monsieur en jet ski. J'aimerais beaucoup. Il me manque déjà. Ah, ça c'est. Oh, ça c'est un tunnel, ça, connu ça. Non? Genre, quand il y a des. Des courses de Formule 1, ils passent pas par là? Tout hasard. Je sais pas. Peut-être. Vraiment, un jour, il y a un mec qui s'est dit on va faire des courses de Formule 1 là. Hop. Parce que c'est pas mal, il y a de la place et tout pour se dépasser. C'est pas mal. En plus, il y a Michel en jet ski à côté qui peut les filmer. Donc c'est pas mal. Allez! Enfin, par contre, là, s'il veut pas avancer, ça va être compliqué. Allez, avance. Allez. 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 J'espère que là, vous avez des pixels, là. Là, vous avez votre quantité de pixels pour les 3 prochaines semaines. Fred. Fred. De la chaîne JDG, peut-être. Attends, c'est un parking? Un tunnel qui mène à un parking. Putain, ils ont du budget, hein, ouais. Enfin, en même temps, c'est Monaco. Mais n'empêche qu'ils ont fait un tunnel pour accéder à un parking. Donc, un parking. En bord de mer. Un parking en bord de mer. Il doit pas y avoir beaucoup de parking à Monaco. Surtout que là, c'est le seul truc qui a. On arrive au bout, hein. Il y a pas, la route ne continue pas. La route ne continue pas, donc on doit être Yacht Club de Monaco. Yacht Club. Un Yacht Club. Let's go. Ah, peut-être ici. Non. Bah non, bah là après on sort de Monaco. Il s'appelle comment le parking? Du chemin. Des. Bon, on ne saura pas. C'est bizarre ça, quand même, un parking là. Peut-être qu'on est ici. Ah, il y a un tunnel là. Il peut y avoir des tunnels partout. On va partir dans l'autre sens. On est parti dans le sens là. On va partir vers la grue. Voilà, hop. Allez. 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 Ça allait plus vite en jet ski. Hein. Ça allait plus vite en jet ski là que clairement. Clairement, c'est fait arnaquer. Hein. Mais c'est le port. Et on était là tout à l'heure en jet ski. On était là en jet ski tout à l'heure. Attends. On était ici. Donc là, on est dans la rue là. Et là, c'est le parking de la digue. On est au parking de la digue. Je reconnais, hein. Je reconnais, on était là-bas avec Michel Andietski. Je commence à reconnaître. Bientôt, ça va être chez moi, Monaco. Hop. Et je vais aller faire des tours en jet ski pour cartographier le coin. Et puis voilà. Ça se passera très bien. Bah, let's go 4 mètres. Et j'ai même pas eu à affiner le point, c'est bon. Tout va bien. On touche à rien. On touche à rien. Let's go.
Sans faire exprès. Enfin, sans faire exprès. J'avais l'endroit à peu près, mais que j'ai mis le point pile au bon endroit. Pas mal. Non, mais c'est le talent. Vous pouvez pas comprendre. Pas du tout le hasard. Pas du tout. Let's go. Est-ce qu'on va avoir mis. Oui, Michel! Let's go, on a Michel en jet ski. Merveilleux. Ah. Yes. Trop bien. Allez, on se balade à dos de Michel. Hop. On se balade à dos de Michel. Là, on est à la fin de Monaco, là. Là, on est genre. Ici, non. À peu près. Je sais pas, en fait. Parce que là, il y a une grande falaise. Là où il y a des hôtels, je pense. Donc on doit être ici. Pour voir si on a cette petite. Un point sur deux, c'est dans le port. Bah ouais, c'est fou. Ouais, c'est ça, c'est un point sur deux. On a eu 3 points avec Michel sur les 5, ouais. Ah, il s'est promené, Michel. Et ça, c'est les évacuations de l'hôtel. Qui est là-haut. Voilà, directement dans la mer. Voilà. L'anecdote. Totalement vrai. Vérifié par les professionnels. Pou, faut que j'arrête de dire des bêtises. Mais je n'arrêterai pas. Je me connais. Oula. Je vais choper un coup de soleil, hein. Faut penser à se couvrir. Et bientôt 20 followers, mine de rien. Bientôt 20 followers. Que 1. Que 1. Et on a 20 followers. C'est fou. Bon, il y a un bot dans le lot. Il y a un bot dans le lot. C'est pas grave. On dira rien. Ouais. Bon, je sais pas trop où on est. Je pense qu'on est par là quand même. Même directement là-dedans. Ouais, on va dire là. Oh, ça rame trop sur Michel. Oh, ça rame trop partout en fait. On profite encore un dernier petit coup sur. Voilà. Michel nous indique la direction. C'est par là. Voilà, j'espère que ce stream est plaisant à regarder. En tout cas, je pense que là, vraiment, on l'a vu du coin de l'œil. Oh là là, se dégrader. Bon. Je pense qu'on est là. Aïe! Coup dur. Coup dur. On était ici. On était ici au port de. Ah oui, il y a Fontvieille. Fontvieille. Port de Fontvieille. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Quelle catastrophe! C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il est quelle heure? Il est 7h51. On a encore un peu de temps. Oui, parce qu'après, il faut que j'aille travailler quand même. Ouais, j'ai un vrai métier. C'est con. Mais on a encore un peu de temps.
Bah du coup là on a fini Monaco. Avec la tête de Michel encore une fois. C'était pas mal. C'était bien. Les îles Mariannes. Bah let's go.